Pendant vos exercices de gainage, est-ce qu'il faut rentrer le nombril ou faut-il basculer le bassin en rétroversion? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur OlympFit, c'est Alex, préparateur physique et diététicien comme d'habitude. Et aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo sur les abdominaux. Alors, pour ceux qui me regardent pour la première fois, si vous êtes intéressé par des entraînements plus intelligents, une meilleure exécution technique des exercices de musculation et une alimentation plus saine, vous êtes au bon endroit puisque c'est ce que j'essaie de vous transmettre via la chaîne OlympFit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler encore une fois des abdominaux. Alors, c'est une vidéo que je n'avais pas prévu de faire, mais suite à ma dernière vidéo sur le gainage et aux remontées que vous m'avez fait, il y a plusieurs points qui me semblent importants et donc je me suis dit qu'il faut les traiter dans une vidéo à part. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'absorption du nombril. Donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi est-ce que je ne rentre pas le nombril pendant les exercices de gainage. Et deuxièmement, nous allons parler de la rétroversion du bassin parce que beaucoup d'entre vous pensent aussi que la rétroversion du bassin pourrait diminuer l'efficacité du gainage en sollicitant moins les muscles profonds. Et vu que dans les activités physiques et sportives, on ne cherche pas à faire une rétroversion du bassin, on cherche plutôt à garder le bassin dans une position neutre, pourquoi alors dans des exercices de gainage, je conseille de faire une rétroversion du bassin? C'est ce que donc nous allons voir dans cette petite vidéo. Donc nous allons commencer par l'absorption du nombril. Alors pourquoi est-ce que dans mes exercices de gainage, je ne rentre pas le nombril? Alors déjà, cette technique d'absorption du nombril, elle est très utilisée dans le milieu de la rééducation, suite par exemple à des traumas de la sangle abdominale, comme une chirurgie de la cavité abdominale, comme par exemple des grossesses, la sédentarité avec beaucoup de positions assises, pas d'activité physique. Tout ceci peut rendre la sangle abdominale hypotonique et inefficace, c'est-à-dire que les abdominaux ne savent plus comment se contracter. Et dans un but de rééducation, et surtout pour rééduquer le transverse, qui est le muscle le plus profond des abdominaux, on utilise cette technique d'absorption du nombril. Donc le but de cette technique est de solliciter au maximum le transverse, hein, qui est un muscle qui, je vous rappelle, se contracte pour réduire la taille et compresser les organes. Le problème avec cette technique, c'est que le fait de se concentrer sur le recrutement du transverse, ben, automatiquement le corps va moins recruter les autres muscles de la sangle abdominale. Donc on a moins d'activité au niveau des obliques, au niveau du grand droit et aussi au niveau des érecteurs du rachis, c'est-à-dire les muscles qui protègent la colonne vertébrale. Donc le fait de rentrer le nombril va diminuer l'efficacité du gainage, vu que tous les autres muscles, mis à part le transverse, ne sont pas sollicités comme il faut. C'est pour cette raison que dans les activités physiques et sportives, et aussi dans les gestes du quotidien, donc quand on pousse un meuble, quand on porte un objet lourd, quand on tape dans un ballon, quand on court, on ne rentre pas le nombril. On gaine, donc on va contracter les abdos, mais on ne va pas chercher à rentrer le nombril parce que le fait de rentrer le nombril va faire que le gainage, la stabilité de la colonne vertébrale ne va pas être optimale. Le but des exercices de gainage que je montre sur ma chaîne est de renforcer d'une manière globale tous les muscles de la sangle abdominale, donc le grand droit, les obliques externes, les obliques internes et le transverse. Donc pour bien solliciter l'ensemble de ces muscles, il ne faut pas absorber le nombril. Sinon on va concentrer le travail sur le transverse et on va oublier les autres couches. Pour mieux se rendre compte de l'effet du fait de rentrer le nombril sur le gainage, imaginez que vous allez recevoir un coup de poing dans le ventre. Donc si vous vous apprêtez à recevoir un coup de poing dans le ventre, vous n'allez pas rentrer le nombril, mais vous allez plutôt contracter la sangle abdominale pour la rigidifier et la rendre la plus dure possible. Et vous ne faites pas ça en rentrant le nombril. D'accord? Le fait de rentrer le nombril va vous faire perdre de votre gainage et vous allez être moins solide dans cette position. Donc le fait de rentrer le nombril, c'est efficace pour travailler le transverse lors d'une rééducation, pour les personnes saines qui cherchent à renforcer la sangle abdominale pour un meilleur gainage pendant les activités sportives ou pendant les activités du quotidien et aussi pour une meilleure posture, il ne faut pas rentrer le nombril, il faut faire le gainage de la manière la plus efficace possible et de la manière qui recrute l'ensemble des couches musculaires et non pas que le transverse. Alors bien sûr, dans la description, je vous laisse
les études qui démontrent que le fait de rentrer le nombril diminue de l'efficacité du gainage en diminuant l'activité des autres muscles, donc des obliques, surtout les obliques, puisque ce sont les muscles qui sont le plus impliqués dans la stabilité de la colonne vertébrale et aussi le grand droit de l'abdomen. Passons maintenant à la rétroversion du bassin. Alors, beaucoup d'entre vous pensent que si je bascule le bassin en rétroversion pendant mes exercices de gainage, je vais plus solliciter le grand droit de l'abdomen et je vais moins solliciter les muscles profonds. Alors, par muscles profonds, je suis en train de parler du transverse et des obliques. Alors, ceci est complètement faux. Aujourd'hui, on a des études, on a des connaissances scientifiques qui nous montrent que le fait de basculer le bassin en rétroversion va certainement solliciter davantage le grand droit, donc le droit de l'abdomen, mais aussi les obliques et le transverse, puisque d'un point de vue anatomique et biomécanique, les obliques et le transverse participent à la rétroversion du bassin. Donc il n'y a pas que le grand droit qui est capable de faire la rétroversion du bassin. Les obliques et le transverse sont aussi, participent activement à cette rétroversion. Et donc du coup, quand on fait la rétroversion du bassin pendant les exercices de gainage, on est en train d'améliorer le recrutement de l'ensemble de la sangle abdominale, que ce soit le grand droit, les obliques externes, les obliques internes et le transverse. Donc cette idée reçue qui dit que le gainage est moins efficace quand on bascule le bassin en rétroversion parce qu'on sollicite moins les muscles profonds, eh ben c'est complètement faux puisque dans la réalité c'est exactement le contraire. Un autre point qui est aussi important, beaucoup de gens pensent qu'il faut garder le bassin dans une position neutre quand on fait les exercices de gainage. Parce que sur le terrain, quand on est en train de faire du sport, on ne va pas chercher la rétroversion du bassin. Pareil dans la vie de tous les jours, quand on pousse un meuble, quand on porte un objet lourd, il faut garder toujours le bassin dans une position neutre. Et donc, pourquoi bascule le bassin en rétroversion pendant les exercices de gainage? Alors la réponse est très simple. Le but des exercices de gainage est de renforcer les abdominaux. Donc ici, on est en train de cibler les muscles abdominaux. Et il faut les mettre dans une position, dans une configuration qui est défavorable pour les défier et les obliger à travailler encore plus pour avoir une meilleure adaptation physiologique derrière. Donc plus on stimule les abdominaux, si on arrive à avoir une meilleure contraction des muscles abdominaux, on aura bien sûr une meilleure réponse. D'où le but de la rétroversion du bassin qui va mettre les abdominaux dans une position physiologique, biomécanique qui n'est pas avantageuse, ce qui va obliger les abdominaux à travailler davantage. Et bien sûr, ceci est scientifiquement démontré. Je vous laisse bien sûr les liens dans la description de cette vidéo. Donc pour ceux d'entre vous qui cherchent à avoir les meilleurs résultats possibles de leur gainage, donc bien sûr, si vous faites du gainage, c'est qu'à la base, vous voulez renforcer les abdominaux, puisque c'est un peu le but de ces exercices, ben, automatiquement, le fait de basculer le bassin en rétroversion, vous allez mieux stimuler les muscles de la sangle abdominale et vous aurez des meilleurs résultats derrière. Donc, vous avez tout intérêt à basculer le bassin en rétroversion pour une meilleure activation et une meilleure stimulation musculaire. Avant de finir cette vidéo, je vais parler quand même d'une exception. Si le fait de basculer le bassin en rétroversion, donc effacer la lordose lombaire, donc c'est tout simplement une flexion des vertèbres lombaires, si cette position vous déclenche une douleur, c'est que vous êtes intolérant à la flexion et donc dans ce cas-là, bien sûr, il faut rester à l'écoute de votre corps et ne pas basculer le bassin en rétroversion, de respecter votre lordose lombaire et de garder le bassin dans sa position neutre. Alors la position neutre dépend bien sûr de la physiologie de chaque personne. On n'a pas tous la même physiologie, on n'a pas tous le même degré de cambrure au niveau de la lordose lombaire, comme par exemple les Africains qui ont une lordose qui est beaucoup plus prononcée et donc un bassin qui naturellement est plus antéversé, ou par exemple le peuple asiatique qui a une lordose qui est moins prononcée avec un bassin qui est peut-être plus rétroversé. Donc la position neutre n'est pas la même pour tous. Il faut bien sûr respecter votre physiologie, être à l'écoute de votre corps et ne pas faire les exercices qui déclenchent la douleur. Voici donc pour cette petite vidéo concernant ces deux points qui me semblent essentiels et très importants. Donc je vous remercie de m'avoir remonté ces informations. Ça m'a permis de faire cette vidéo et de vous permettre de mieux comprendre pourquoi on ne rentre pas le nombril pendant les exercices de gainage et pourquoi il est important de basculer le bassin en rétroversion. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, je vous invite à l'aimer et à la partager pour en faire profiter plus de gens possible. Laissez-moi vos avis et vos suggestions dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.